Bonjour à tous et bienvenue pour le 17e épisode de notre série du défi des 28 jours. Et aujourd'hui, ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me passionne. C'est ce que j'appelle le pouvoir de l'intention. Pour vous expliquer cela, eh bien, je voudrais commencer par vous raconter une petite histoire. En 2014, j'ai fait la connaissance d'une femme qui, par téléphone, m'a demandé de l'aider dans l'édition d'un de ses ouvrages. Nous sommes aujourd'hui en 2019 et cette même personne a réalisé son rêve. Elle avait l'intention, elle était motivée pour devenir auteur. Et regardez bien, parce que je ne mens pas, elle a démarré ce premier ouvrage. L'année suivante, elle en a fait un deuxième, un troisième, un quatrième et enfin un cinquième. Bref, je vous les ai pas donnés dans l'ordre, mais ce que je veux vous montrer, c'est que cette même personne, juste en voulant, en décidant, en se motivant, elle a réussi à mettre en place une série, une collection de près de 5 ouvrages. Et pour cette année 2019, eh bien, elle commence à terminer, elle commence pas, elle termine son 6e ouvrage. Voilà, c'est une personne que j'aime beaucoup, c'est une personne que je vous invite à découvrir sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle Rolande Lucie Boulagnon, elle est auteure et je voulais vraiment vous en parler ce matin. Elle a démarré son premier ouvrage, ça s'appelait donc Le Beau Voyage et elle en est donc à son 6e ouvrage qui sortira normalement cette année 2019. Voilà, le pouvoir de l'intention, c'est cette capacité à aller de l'avant, à se motiver, à réaliser ses rêves et à les vivre, parce que c'est vraiment ce qu'elle a fait. Et j'ajoute une petite chose pour conclure, c'est une personne qui a près de 70 ans. Donc, ne croyez pas que ça n'est réservé qu'aux gens, aux gens jeunes. À tout âge, on peut avoir des rêves et les concrétiser. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao, à demain.